Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Go 221 à la une des journaux de ce vendredi 26 janvier 2024. Le journal Yorior, le projet en marche vers la présidentielle 2024, acte 1, la stratégie d'Ousmane Sonko. Le projet transcende nos personnes. Le projet est souverainiste et panafricaniste. Tous ceux qui ne sont intéressés que par l'avenir du Sénégal sont les bienvenus à nos côtés. Aussi, nous ne raterons pas le virage de 2024. Oui, nous ne raterons pas le virage 2024. C'est Ousmane Sonko qui parle ainsi pour le projet en marche vers la présidentielle 2024. Il a posé l'acte 1 de sa stratégie dans le quotidien Yorior, Sud Quotidien, application des recommandations de la commission de réforme des institutions CDRI. 8 candidats s'engagent. Oui, 8 candidats s'engagent. Mohamed Boun Abdoulaye, John Bassirou, Jomaï, Faïsé, Tidiane, Djeye, Serkine Boupa et les autres. Le quotidien mise en place d'une commission d'enquête. L'Assemblée veut élucider le Karim après le bureau hier. La conférence des présidents sont réunies cet après-midi. Le journal Le Soleil, protection de la vie privée. Le président indique la voie hier à la rentrée des cours et tribunaux. Le chef de l'État souligne que la vie privée a fondement de l'intégrité physique et morale. Et aujourd'hui, plus que jamais exposé, Walfe Quotidien, Serine Boupa, candidat à la présidentielle. Mon ambition économique pour le Sénégal. Lui, Serine Boupa qui a... parle de son ambition économique pour le Sénégal, dont le quotidien écarté de la présidentielle. Le PDS joue sa carte. Le journal Observateur, reportage à Baloudji, village natal de Abdou Diaoutié, à la gorge tranchée à la Sogasse. Sa vieille maman n'est pas encore au courant de son décès. Les témoignages déchirants de ses trois épouses présidentielles 2024. 20 candidats à l'envers d'un record. Oui, 20 candidats à l'envers d'un record, nous dit le journal Observateur. De huitième de finale Sénégal-Cameroun, bataille psychologique, nous dit l'Observateur. Le quotidien, protection de la vie privée, Macky Sall pour l'adaptation des lois aux évolutions technologiques. Oui, le président Macky Sall pour l'adaptation des lois aux évolutions technologiques. Le forum des justiciables aussi parle dans ce journal 24 heures. Les décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Macky Sall répond aux candidats après le contrôle des parrainages par le Conseil constitutionnel. Les décisions ne sont pas susceptibles. C'est ainsi par le président Macky Sall. Ce quotidien, la PR et le PDS font cause commune. Oui, la PR et le PDS font cause commune. Sonko s'invite dans le débat. Oui, Ousmane Sonko s'invite aussi dans le débat. Moustapha élève la barre. Le journal L'Indépendant, rentrée fiscale 2024. La DGID vise à 2776 milliards. Oui, la DGID vise 2776 milliards, nous dit le journal L'Indépendant. Oui, le journal L'Inf, visite économique au Japon. La moisson de Doudouka. Oui, la moisson de Doudouka, visite économique au Japon. Le ministre de l'Économie Doudouka. Le journal direct de la commission d'enquête parlementaire sur le Conseil constitutionnel. Le Parlement veut-il déshonorer les juges du Conseil constitutionnel? Oui, le Parlement veut-il déshonorer les juges du Conseil constitutionnel? À titre, le quotidien direct news, le public, commission d'enquête parlementaire, le PDS va faire très mal. Oui, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, va faire très mal audience après les recalés des leaders de Beno Bokuyakar, rencontre Macky Sall. L'enquête, ouverture, enquête parlementaire. Oui, ouverture, enquête parlementaire. Le Parti démocratique sénégalais frappe fort. Oui, c'est Karim Maïs Awad que vous voyez en image. Après être recalé par le Conseil constitutionnel, le PDS frappe fort. Vox Populi, Macky Sall ne veut pas d'un report de l'élection. Il insiste sur l'importance du déroulement de la campagne électorale et du scrutin présidentiel du 25 février 2024 dans la paix et dans la sérénité. Oui, le président Macky Sall insiste sur cela, dans la paix et dans la sérénité. Le journal La Tribune, le Conseil constitutionnel entre tricherie et corruption. Les soupçons du Parti démocratique sénégalais, le Conseil constitutionnel entre tricherie et corruption, nous dit le journal La Tribune. Terme et quotidien affaire, Karim Wade, le PDS obtient sa commission d'enquête. L'étau se resserre autour, l'étau se resserre autour de hauts magistrats du Conseil constitutionnel.
Le candidat de Beno Bokoyakar Amadou Ba l'échappée solitaire. Le journal Peuple Quotidien Aro sur les 7 sages du Conseil constitutionnel. La réponse Kassou Maki au candidat recalé. Oui, la réponse Kassou au candidat recalé. Le président Macky Sall, invalidation la candidature de Karim Wad. Les Échos qui nous parlent de disparition de 5e commando marin lors de l'interception d'un navire. Les révélations du commandant du bateau face au juge. Le bureau valide à l'unanimité la commission installée à la semaine prochaine. Oui, commission d'enquête parlementaire bouscule le jour. Audience avec l'opposition, son candidat en campagne, les somnifères d'Oumaki. Oui, les somnifères d'Oumaki. Le communiqué de la présidence qui refroidit, les recalés à Madouba. Exemple du conseil du ministre Rémi Quotidien, protection de la vie privée, mais qui n'exclut pas l'infléchissement de 100 ans de règles. Oui, le président Macky Sall n'exclut pas l'infléchissement de 100 ans de règles. Source à Jeu des Lions, Kassa Diomané, Côte d'Ivoire. Comme adversaire du Sénégal, analyse Adamara Traoré, une demande de liberté provisoire introduite par Bassirou Diomaye Faye. Les obstacles à sa demande par Londres Football Esport, séance d'entraînement d'hier jeudi. Allez, à Lyon de la Teranga, les Lions préparent la Côte d'Ivoire. Oui, les Lions préparent la Côte d'Ivoire. Sabali à l'écart, Pape Gueye absent. Oui, Sabali à l'écart, Pape Gueye absent. Les Lions préparent le match contre la Côte d'Ivoire. Oui, le Sénégal va rencontrer la Côte d'Ivoire. Séance d'entraînement d'hier jeudi que nous propose le journal Record. Oui, les Lions de la Teranga. On est prêt à affronter tout le monde. Oui, on est prêt à affronter tout le monde. C'est ce que disent les Lions. Le journal Stat qui nous parle de Cannes. Le Sénégal en danger face à la Côte d'Ivoire. Oui, le Sénégal doit affronter la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Qu'est-ce que va-t-il se passer? On va voir. Terminons avec Sounou Lamb Tafatine, un lourd fardeau sur les épaules. Objectif premier, roi des arènes. Oui, objectif premier, roi des arènes. Go 221, la chaîne des leaders. Merci de vous abonner. C'était tout pour les revues des titres.